Bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Stonehearth en multijoueur avec Katox toujours. Bonsoir Katox. Salut. Et on reprend donc notre petite aventure. Moi j'essaie toujours de terminer ma quête, hein. Il fallait que les gens soient contents. Globalement ça avance. Je crois que c'est une des pires quêtes à faire. Bah jusqu'ici j'avais pris celle avec la thune là, elle est un peu chiante aussi, hein. Enfin elle est longue quoi. Ouais, faut attendre les marchands, quoi, c'est tout. Ouais. J'avais fait un bâtiment qui permettait de faire venir les marchands. Ouais, c'est le bon plan. Ouais, donc là, on a une veine d'argent, mais gigantesque, quoi. Elle fait un mur entier. C'est con, on peut rien en faire. Ah non, j'ai pas assez de wars. Catastrophe. Qu'est-ce que vous foutez? Il y a des gens qui bossent pas, je suis sûr. Je vous vois, là. Vous ne faites rien. Vous ne faites rien, je vous vois. Un trappeur, on peut faire un trappeur. Il faudrait un maçon piédestral. On a ça, un maçon piédestral? Oui, bien sûr, on a ça. Hop. Encore des invaders? C'est pour moi ou c'est pour toi cette fois? Ah, c'est pour moi. Ah, c'est un gros, une grosse saloperie, là. Attends, mais ils sont en train de taper sur mes gens. Mais décède, truc. En plus, il va directement sur tes mineurs. Ouais, ils montent les échelles et tout, c'est la fête quoi. Bon, cassez-vous. Déclare l'état d'urgence, ça les fera revenir. Ouais, ouais, cassez-vous parce que vous avez l'air d'avoir du mal là. Clair là. Allez, Benica. J'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus lents. Dès qu'ils deviennent clairs, ils sont beaucoup plus lents, j'ai l'impression. Ouais, c'est possible. Hein. Bien joué. Et Flantier, niveau 6. Oh, joli. Ok, il va nous falloir de l'équipement. Alors du coup, on va faire un petit tour. Donc le Weaver, il a terminé ses shops, donc on va les poser quelque part. Par exemple là, allez hop. Comme ça, ce sera dans mon angle de vue habituel. Voilà, c'est parti. Ensuite, le maçon il taffe. Il va faire un trapper knife le maçon, tiens, il va me falloir un mec. Tiens, je te vois ce que j'ai en trop. Ah, c'est gentil, ça va me permettre d'équiper mon nouveau soldat. Tu es bien urbain. Ouais. Ok, le maçon il taf. Lui, il fait le job aussi. Je vais bientôt avoir de l'équipement en bronze, donc je pourrais t'enfiler aussi si tu veux. Bah avec les j'ai eu du bol avec les loot, j'ai ils sont tous les deux en armure de maille. Ah ouais. Oui, ouais, tranquille donc, quoi. Oui, puis j'en ai déjà un avec ils sont tous les deux avec une épée longue aussi. Apparemment. Donc j'ai du bol. Effectivement. Par contre, j'ai toujours pas eu de vendeur qui me vendait un Weaver Spindle. Bah écoute, dès que je pourrais en faire un, je t'en filerai un si tu veux. Mais je sais même pas si le Weaver il peut pas en faire. Non, le Weaver il peut pas en faire. Non, c'est le. Il faut le Carpenter. Ouais, mon Blacksmith est pas assez au niveau pour le Carpenter encore. Allez. Toi, t'es parti. Hop là, Invader approaching. Qu'est-ce que c'est? Ah putain, c'est une grosse saloperie. Mais... un gros lézard. Bah oui, fuis. Mais oui, fuis. Plus loin. Allez hop. Mais rassemblement.
Ah, c'est un Varanus plus plus quoi, 1200 PV la vache. Ah ouais, d'accord, c'est... Je me demandais si à un moment t'allais pas te faire bolosser par mec des guerriers qui passaient à côté. Ouais, mon clan est level 2, bien joué. Alors les notifications, c'est quoi? Donc le clan level 2, très bien. Alors, faut qu'il soit content, on n'a pas encore assez de bouffe. Ça va venir, je pense. Le potier, alors le potier c'est le seul qui a largement le taf, tout ce qu'il a. Ici on va faire des potions. Et puis des graines de cactus, histoire de monter de niveau un peu. Toi, tu taffes. J'ai pas de Stonehaven. Un trader s'approche. Un Iron Mail en échange de 9 Clay Dining Table. Ouais, bah ouais, c'est quelque chose de tout à fait possible, ouais. C'est où? Ouais, par contre, on est un peu en déche de clé. Alors attends, excuse-moi, je vais mettre pause 2 secondes. Vas-y, vas-y. le temps de pas faire nimp avec mes mineurs. C'était possible, ce serait quand même assez cool. T'as, je vois ta souris qui est là, tu viens regarder si je fais des conneries. Mais je vois et ça me fait bien rire quand même. Là, de l'autre côté, tu vois, tu as une carrière qui est carré de chez carré. Ah ouais, bah j'ai un peu de mal avec l'outil, certes. Je l'assume. Ah, je ne juge pas. Presque pas. Tu fais bien. On va faire ça en souterrain pour la peine. Ouais bah écoutez, ça fera le taf déjà. J'aimerais bien nettoyer un peu ce truc dégueulasse là, mais... C'est pas facile. Démerdez-vous comme vous voulez, mais minez-moi ça. Allez, c'est parti. Que ça va bien nous glander au milieu du feu, hein, mais c'est pas avec ça qu'on fait une ville. Hein. Allez, on va faire des petits brasiers. Ouais, parce que je prends du retard, mine de rien, à pas avoir de clé là. Ouais, ça, c'est. Ça ne pardonne pas. Il me fallait. Un truc. Stonehaven, voilà, c'est ça qu'il me faut. C'est parti. Alors, lui, il est en train de faire ses... Ok, très bien, il est en train de faire ses trucs. Weaver level 2 déjà, bah la vache, c'est la fête. On va faire des trucs comme ça, tiens. Une petite dizaine pour commencer. Par contre, faut que je le foute devant, sinon ils vont s'arrêter à chaque fois, ça va être relou. C'est à quel niveau là, la site charpentier? Oh la vache, level 4! Ouais, je crois que ça rentre tout à la fin, tu sais. Ah ouais, c'est la fête quoi. Bon, au niveau des matériaux, on est bien, c'est vraiment la clé qui nous manque quoi. C'est quoi ça? Ce qui manque, le bâtiment. Ah ouais. Les gars? Attends, mais les... Le mec il a réussi à miner! Un truc, mais il s'est isolé tout seul quoi. Mais c'est une blague. Sans déconner. Pas leur demander d'être intelligent. Ah bah non, mais là, il y a une limite entre... T'as presque envie de les laisser crever quoi, enfin non. C'est n'importe quoi. Daily update. Ouais, on a quelqu'un qui arrive.
Il faut que on les fasse sortir de là. Genre en speed. Ah, mais bordel, mais. Excuse-moi, je me pose. Pour avant que ça parte en sucette. C'est un loup géant. Toi, t'as moyen de faire une échelle là ou pas? Et toi aussi, c'est possible. Ok, donc toi non. Il est de ton côté ou il est de mon côté d'ailleurs? Il est de ton côté. Merde. On va vite faire envoyer les gens dessus, si j'y arrive. Voilà. Le mec qui m'a rejoint, il fait quoi dans sa vie? Ok. Oh, 6-4-5, c'est pas mal. Alors on va essayer de sauver ceux qui sont en train de galérer. Hein, je pense que c'est plutôt une bonne idée. Comment il s'est démerdé? Non mais sérieusement quoi. Et franchement je comprends même pas comment il a fait quoi. En plus il pourrait miner pour s'en sortir, qu'est-ce qu'il branle? C'est quand même pas la fin du monde quoi. Ah oui, je le vois. Ah oui non, il est tout seul sur un bloc. Ouais, il a réussi à se foutre sur un bloc tout seul quoi. Faut que tu mettes une échelle juste sur le bloc sur lequel il est. C'est le seul moyen de le faire dégager. Ouais, j'arrive pas justement. Attends, je vais me mettre en slice peut-être. Parce qu'en fait, il y a l'espèce de truc rouge là, du fait qu'il y a du minage de défini. Ouais. Et du coup, j'arrive pas le. Je vais placer l'échelle si tu veux. Quelqu'un viendra là. Je vais la foutre. Je vais lui mettre une échelle pour descendre. Je pense qu'il va pouvoir. Ou pas. Ils s'en foutent. Ils veulent pas sauver leurs potes en fait, je crois. Un jour ils le feront. Toi, ton échelle, je l'ai mal placé par contre, ton échelle, toi. Plutôt celle-là, c'est celle-là. Mais le mec, je lui mets une échelle, mais en fait, il veut pas partir. Il est bien dans son trou. Attends, j'ai placé la mienne, du coup, je crois que quelqu'un va venir. Voilà. C'est ouf, c'est exactement là où je l'avais mise. Peut-être qu'elle mène à recouvert. Ah oui, peut-être qu'on l'a mise plus ou moins en même temps, je sais pas. Ouais, franchement, cette mine est absolument propre. Je vois vraiment pas le problème quoi. C'est une mine de gobelins ton truc. C'est ça. Voilà, on va essayer de mettre une échelle là pour se débarrasser de cette merde. Déjà, on verra un peu plus clair, je pense. Les traders vont revenir, très bien. Les gens sont quand même contents, hein. ils crèvent dans les mines, mais ils s'en foutent. Ça leur fait plaisir. Qui sommes-nous pour juger, tu sais? C'est ça. Par contre, ce serait bien de finir les bâtiments un moment. C'est quoi, c'est encore les briques qui manquent? Ouais, c'est encore les briques. Forcément, je leur demande de faire des trucs pour les marchands, alors du coup, ils font pas de briques. C'est pas illogique. Bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va finir de traverser la montagne. Voilà, histoire d'en finir avec cette veine d'argent déjà. Et comme ça, on ira plus vite chercher nos matériaux. Et comme ça, les ennemis arriveront plus vite sur nous aussi. Tout bénef. Ah, il y a une crypte qui a popé là-bas, là. Où ça? Juste à côté de ma mine, à l'extérieur. Ah ouais. Bon, je vais y envoyer des gens. Ouais, pareil. Allez, c'est parti les gars, en avant. Enfin, tu me diras, ça fait une génération de péons. Ah, puis il y a un zombie avec un gros coffre aussi à buter après de l'autre côté. Ça pop quand même bien quand on a multi. Hein. Ouais, ouais, j'avoue. Raser la crypte quoi. Pas de pitié. Ouais, l'autre il envoie ses mecs taper sur le coffre quoi. Bah même pas. Finir toi, je regardais s'ils allaient le faire ou pas. Ah putain, encore popé plein d'Iron Mine du coup.
Et deux short sword. Bah écoute, dès que les gens viendront la récupérer, je te les file. Non, bah de toute façon, moi ils ont pas de niveau, hein, au pire, hein, pour le porter. Je vais aller faire le zombie. L'Iron Mail, je suis pas sûr. Je pense qu'ils peuvent. Ouais, peut-être le plus vieux, mais l'autre il est encore level 1 ou 2 donc. Oh putain, le Varanus qui pop sur le chemin quoi. Mais vous allez où? Mais arrêtez-vous et tapez-lui dessus. Vous êtes sérieux? Stop. Le machin, je l'ai vu apparaître sous mes yeux quoi. Le troll du jeu. Il est apparu devant mon clair pour lui bouffer les fesses quoi. Et hey, tes mecs ils s'enfuient. Comment ça ils s'enfuient? Mais je sais pas, qu'est-ce qu'ils foutent? Ils font des allers-retours entre le cactus et le Varanus quoi. Et ah ouais. Qu'est-ce qu'ils font? Bon. Et là ils sont repartis. Ok. Bon, certes. J'avoue, je saisis pas trop l'idée. Ah, ils ont compris. Ça y est. Attention. Ils ont compris le principe. On se l'a dit, avec deux clairs, on soigne tellement bien qu'on va carrément au corps à corps taper quoi. Ouais, mais ça c'est bien. Et on voit que c'est toi qui as un meilleur équipement. Hein. Tu gagnes les loot parce que tu leur fais plus de dégâts que moi alors que tu te pointes 20 minutes plus tard quoi. Justement, c'est toi qui fais tout le boulot et moi j'arrive. Hop. C'est ça, le petit steel kill là. M'en fous, on va se faire un giant zombie avec 400 pauvres PV. Ça va être vite vu. T'as déjà eu le coffre? Il y a eu 3 minerais dedans. Je suis content. En fait, ces jeux ils favorisent Lost, tu vois. Ça se trouve, ouais, y a un bug. Ah, on a un Blacksmith level 3. Parfait. Qu'est-ce que tu peux faire de beau en étant level 3? Tu peux faire des armes améliorées. Tu peux faire des casques. C'est parti, fais-nous des casques. Donc pour l'instant, il a fait que des lingots. Il a monté 3 niveaux en faisant que des lingots. Ouais, ça c'est toujours comme ça le début. Ah, ça y est, on a suffisamment de mines, de trucs, de machins. Est-ce que vous avez moyen... Ah, mais ils ont fait cette échelle. Ils ont peut-être moyen de me dégager ce bloc dégueulasse. Virons le slice. Alors, à mon avis, non. Mais... on va y aller... Alors, pourquoi il y a un gros truc en rouge vif là, hein? C'est toi qui as fait une route? Parce que j'essaie de faire des routes, mais faut que tu vires tes deux petites échelles parce que ça bloque la mise en place de la route. Tu peux faire des routes pour monter des trucs? Non, mais non, à ce moment-là, tu mets des échelles. Tac, je les vire. Alors. Ah, on a la caravane d'Iskander qui est là. Bah il a un Weaver Spindle, tu veux que je lui prenne? Ah oui, parce que moi j'ai toujours pas. Alors attends, faut que je vende du coup pour la thune. Hop. Ah, écoute, je te l'échange contre des armures de maïs, tu veux. Ouais, on peut faire ça comme ça. C'est totalement rentable. C'est la loi de l'offre et la demande. Une pauvre aiguille contre deux armures de maille, quoi. Bah tellement, parce que j'ai même pas l'occasion d'en avoir. Ça fait des plombes que j'ai pas eu de vendeur, rien du tout. Donc bon, ouais. Attends, elle est où? Attends, merde, elle est pas encore dans mon inventaire, je pense. Ça y est. Elle est là. Ok, donc déjà, on va gagner une armure de maille. Parce qu'on avait des trucs à donner, tu vois, c'est level 3 l'armure de maille. Alors maintenant, elle est bien posée là. Est-ce que ça apparaît? Pif, puf, puf. Tools, trophée, ressources, weapon. Non, elle apparaît pas dans les tools, hein. C'est quoi ce délire? Je peux pas la voir dans mon inventaire, quoi. Il doit falloir qu'il la ramasse et qu'il la foute quelque part. Désolé. Pas grave.
Parce que si je demande à prendre un job... Ouais, par contre, je peux complètement demander à quelqu'un de faire un job, quoi. Mais je peux pas te la donner. C'est pas cool. Bah, pour la peine, on va mettre Hibou le cocu. Tu seras trappeur, mon gars. Voilà. Histoire de diversifier un peu. Tu seras cocufier trappeur. C'est ça. Ça diversifiera un peu les sources de nourriture. Attraper des insectes. Le trappeur qui pose des petits pièges hein, et qui attrape des petits trucs. Au début, on peut attraper que des insectes géants. Tout à fait. Donc vous voyez, il pose ses petites cages, hein, tranquillou. Puis des trucs qui vont arriver qu'on sert piéger. Ouais non, je crois que j'ai aucun espoir de réussir un jour à bouffer ce bloc. J'ai essayé de leur demander un truc intelligent, mais non, ils ont miné le seul bloc qui leur permettait d'accéder au reste, et puis... et du coup, ils sont coincés. C'est mort. Fait chier, quoi. Ouais, on a une nouvelle personne. Quagero Tigri, bienvenue. Ouais, putain, que dalle quoi. Allez. Est-ce qu'on y a moyen de miner ce petit truc à la con là? Ou pas? Ouais. Genre c'est possible. À quel moment vous vous dites que c'était une bonne idée d'aller déposer des blocs de bois dans la mine? Je veux dire, je ne comprends pas trop le fuck. Le truc. Alors, le blacksmith il bosse en permanence. Le maçon il fait plus rien. Ça c'est très mal, maçon. Fais-nous des trucs comme ça par exemple. Faut que tu nous fasses des trucs à vendre, le maçon. Donc tu vas nous faire des trucs à vendre. Hein. Des portes, c'est très bien ça, des portes. Hop. L'herbaliste, il peut pas faire grand chose. T'as fait le trait du truc de Weaver, parce que je vois toujours pas. Ah oui, fallait que je regarde s'il l'avait s'il l'avait pris et mis dans un inventaire. Ah ça y est, il est là, voilà, toc. Et je peux te demander genre un truc comme ça? Ça marche ça? Ah ouais, je peux te dire tiens je veux ça. Bah écoute. Ouh, je peux enfin avancer un petit peu. C'est cadeau, ça me fait plaisir. Ok, on a un cook level 3, parfait. Des invadeurs. Ah putain. C'est toi de chez toi. Ouais, puis il est vraiment apparu tout près. Donc je vais mettre pause 2 secondes. T'as un raccourci pour arriver aussi vite sur le... Je clique sur l'event. Ouais, mais je veux dire pour avoir ton épée qui apparaît direct. Hein, parce que...
Moi, je ah non, c'est, c'est l'habitude de faire martyriser dans les parties solo. Ok. Il a une sacrée défense ce truc. Hein. De rien. Il est coriace. Comment ça se fait que tu utilises toujours un vieux marteau là? Ça va pas du tout ça. Voilà, on va commencer à forger des trucs un peu plus utiles. Alors, oui, on peut faire de la soupe de d'insectes maintenant qu'on a un trappeur. C'est parti. Hop. En avant, mec. Donc le blacksmith, il fait des trucs. Lui, il fait des trucs. T'as pas besoin d'un, d'un forgeron, de, d'un marteau de forgeron. Toi. Non, non, j'ai. On a pas ce qu'il faut. On n'a pas ce qu'il faut pour avancer notre weaver. Ah mais il y a des loups là, putain je les avais pas vus, merde. Go les gars, nettoyez-moi ça. Alors, un marchand de vêtements est arrivé. Bah écoute, c'est parfait, on va t'acheter ça. On va te vendre des trucs. Genre ça, une fois. De ça, pourquoi pas ça. Et puis ça, voilà. Et puis ça aussi, c'est parfait. Alors, on t'achète ça, on t'achète ça. Des drapeaux, on s'en fout un peu, n'est-ce pas? Oui, on a un maçon level 5. Très très bien ça. Bien joué, Block Tundra. On peut faire des bougeoirs maintenant. Super. Attention quoi. Mais il, aussi, il peut surtout faire des objets de, d'excellente qualité, ça c'est quand même cool. Ça c'est vachement bien. Et plus utile. Alors on a encore un mec qui s'est coincé, parce que sinon c'est pas drôle. Hop. Une échelle j'ai demandé. Alors, il y a un gobelin qui arrive, il y a Ogo! Où c'est? Où c'est? Non, j'ai, c'est l'event là, il vient me parler. Ah, d'accord. Alors, il me dit Bow and Trumble. Non. On va te faire voir. Alors, par l'ordre de Ogo Skullbunker, le gobelin de tous les. Le chef de tous les gobelins à venir, on doit donner tous nos trucs en tribut. Bah non, tu peux crever. Et il nous dit qu'il sera de retour bientôt. Ok, donc on va avoir Ogo qui va se pointer visiblement. Quelque part, je ne sais pas où. Hop là, c'est reparti. Le mec, il a une ville rangée et tout quoi. Quoi? Non, je disais, t'as une ville rangée avec des trucs en terrasse et tout, moi c'est juste le gros dawa. J'ai des zones de stockage à l'arrache. C'est l'habitude de... Ouais, ouais, j'ai absolument pas planifié cette ville, j'avoue. Allez, on va mettre des petits brasiers parce que pourquoi pas. Bon, cela dit, mais en faisant n'importe quoi, j'arrive quand même à être plutôt bien dans les valeurs là, donc c'est quand même pas si mal. Hein. C'est quand même le bon plan. Donc on a de nouveau plus du tout de clay. Alors ce qu'on va faire, ça commence à me fatiguer cette histoire, c'est qu'on va raser complètement cette zone. Voilà. En avant. Là au moins je suis sûr de pas me gourer. J'ai l'impression que mon poteur est à la traîne. Que de quoi? Encore.
Il manque de clé bricks, mais il en a pas dans la ligne de craft. Du coup, tu m'étonnes que le bâtiment il avance pas. Ah oui, ouais, effectivement. Bon, moi je constate que l'iron mail que je t'ai acheté, elle est posée par terre et que personne ne la prend. Ça fait vachement plaisir. Est-ce qu'il y a des mecs contents? Non, il y a personne qui est super content. Enfin, qu'est-ce qu'il faut pour que vous soyez super content? Je vous pose la question. Vous avez du taf dans un monde dur et difficile. Normalement, et à manger. Être content. Et à manger en plus, quoi. Vous avez un cuisinier dédié pour votre ville. Quel moment vous êtes pas content? C'est possible de faire un élevage? Je suis pas convaincu. Hein. Un élevage, y a le métier de. Ouais, il y a le métier, mais avec cette. Cette tribu? Normalement, cette oui. Cette tribu-là, ouais. On va essayer de faire garder quelques bandages dans l'inventaire, tant qu'à faire. Le weaver, il taffe. Le potier, ça y est, le potier, il taffe, parfait. Y a plus beaucoup de grilles de briques dans l'inventaire, cela dit. Ce bâtiment là, il lui manque un truc pour se terminer, c'est quoi? Ah oui, il lui faut une. Je crois que c'est des trucs que j'ai vendus, ça. Alors, une green clé d'or. Et deux finished shelf. Hop, c'est parti. La forge avance, c'est déjà ça. Qu'est-ce qu'il lui manque maintenant? Moi j'avoue que niveau métaux pour le coup je suis plutôt bien fourni. Ah, on peut commencer à faire des boucliers en fer, parfait ça. Hop, je peux aussi faire des piques. Piques en fer. Style lingot on peut pas encore. Oh, je peux faire un truc d'ingénieur. Mais fais-moi un truc d'ingénieur, mais oui. J'ai encore jamais fait d'ingénieur. Ça permet de faire des petits trucs, mais j'ai jamais réellement compris l'utilité du machin. Je sais pas, je vais voir. Je sais pas ce qu'il peut faire. Je peux aussi faire un golem pick, ça y est, j'ai assez de niveau. Non, il me faut plus de lingots d'acier pour en faire. Bon, visiblement, j'ai vendu des fournitures, ce qui m'empêche de finir mes maisons. Ce qui est tout de même un peu la tristesse. Est-ce qu'il y a moyen de sélectionner ce bâtiment? Merci. Ah merde, putain. Encore un Varanus. Bordel. Ça arrive souvent de mon côté là ces derniers temps. Ouais. Hop, c'est parti. Je sais pas si c'est une attaque spéciale de la masse là, le fait de sauter en l'air et de mettre un gros coup de tatane, mais c'est assez classe. Je saurais pas dire. Parce que on dirait que c'est le seul à faire ça. Ah, il a pas de bandeau de protection ton clair là. Non mais le forgeron en attente de construction. Le forgeron se galère un peu. Ok, alors du coup, moi ce que j'avais vu, c'est qu'il me fallait des chaises pour ce truc là. Putain. 10 chaises! 10 chaises? Sérieux? 10 chaises, d'accord, c'est parti. C'est ça. Chaises. À go, hein. 10. Hop, il me faut aussi encore 3 comme ça. Et il me fallait un truc de cuisinier. Comme ça, voilà. J'ai plus beaucoup de caillasse non plus. Hein. Ah, mais t'es en train de t'attaquer au truc qui vole là? Ouais. Bah écoute, bientôt fini. Ouais, j'avoue, mais merci. Ça perturbe mon paysage. Je te comprends tout à fait.
contre, Harry Potter devait être efficace une fois dans sa vie. Il y a un coffre tout au fond de la mine. Il y a deux coffres tout au fond de la mine. Pourquoi ? Et une lanterne. Le coffre au fond de la mine ? Il y a des tissus. Ouais, il y a plein d'objets au fond de la mine. Je sais pas ce qu'ils ont foutu, les mecs. Tu veux quoi, toi ? Des clay beds ? Tu me donneras des lanternes en bois. Non, ça ira, merci. Je sais pas ce qu'ils ont fait, hein. Non, mais tu vois, quand je te dis qu'ils sont complètement à l'ouest, mes mecs. c'est pas pour de faux, quoi. Les mecs, ils se servent de la mine comme stockage. Comment tu veux qu'ils minent après ? Ça garde au frais, au moins. C'est vrai, c'est important que les coffres soient au frais, je suis d'accord. Oula. Petit lag. Oula, petit crash peut-être ? Ah oui, petit crash. Ok, bon bah. Ça a crashé, pause ! Ah ouais. Bah de toute façon, il était largement le temps d'arrêter l'épisode, donc ça tombe bien. Du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu, j'espère que la partie n'est pas foirée. On se retrouve très bientôt pour la suite. Salut. Merci à toutes et à tous.